Eh bien, les gouverneurs sont censés s'imprégner des exemples laissés par notre prophète et ses compagnons. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ورضوان الله على أصحابه. قال, en effet, cette histoire leur montre ce qu'il faut suivre et ce qu'il ne faut pas suivre. Donc là, il parle des gouverneurs. Nous sommes sur la page de droite en français. Afin qu'ils s'imposent ce que se sont imposés leurs ancêtres. Donc leurs ancêtres, c'est-à-dire les gens qui les ont précédés parmi les musulmans, si ce sont leurs ancêtres, donc encore une fois, le traducteur a choisi le mot ancêtre, mais on peut très bien rester sur le mot originel en arabe, sabiquhum, leurs sabiq, ceux qui ont précédé, sans que ce soit forcément leurs ancêtres. Qala wa khususan ma yata'allaqu bil hukam min ijtinab an-nufus an-nafirati wa at-ta'lif bayna al-qulub al-mukhtalifati. Et il y a forte raison, Yannis, cette histoire elle est utile en particulier aux dirigeants de la communauté, afin qu'ils sachent comment gagner les esprits rebelles, voilà, c'est un choix du traducteur, et comment concilier les cœurs divergents. Donc là, il a dit وَتَأْلِفَ الرِّجَالِ وَإِحْكَامِ الْمُعَدَّاتِ. Non, الْمُعَدَّاتِ, je pense qu'il y a ici une... Non. Il est possible que le traducteur ait réuni plusieurs phrases qui ne sont pas au même endroit, mais il a donné le sens global, ce qui n'est pas mal en soi. Donc, قال وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وصيرورتهم يدا على من سواهم قال فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها فقلما أجد من يشتغل بها ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطويل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. Donc l'auteur poursuit son introduction en disant « Elle est utile aussi aux chefs des armées afin qu'ils sachent diriger les hommes et maîtrisent les moyens afin d'avoir la victoire sur leurs ennemis. » Non, donc là, visiblement, il a repris une partie d'une phrase différente et il l'a mise sur sa phrase d'avant où il parle notamment des esprits rebelles, mais ce n'est pas grave. « Elle est utile », l'auteur dit. Donc là, je parle du traducteur, il a rapporté le sens global. L'auteur continue en disant « Elle est utile enfin au commun des gens afin qu'ils unissent leur cœur et deviennent comme un seul homme. » Non,